route. Je vous emmène maintenant à la découverte de la station du Barrio. C'est dans le massif de Belledonne, en Isère. Cette toute petite station de ski familiale fonctionne grâce à des bénévoles. Mais vous allez le voir, elle a vraiment tout d'une grande, comme l'ont constaté Claire Schaffner et Aline Fontaine. Hey, c'est pas ici qu'il faut être chaud, c'est sur la piste. Hein. Ouais. Tu mets le taquet. Hein. Ouais. Ils sont motivés, les microbes et poussins, au départ du slalom géant. Aujourd'hui, 7 clubs de ski du district sont venus concourir sur la piste du Barrioz, une des plus petites stations de la région. Ici, tout le monde est bénévole, des moniteurs au chronométreur. Mais attention, tout est fait dans les règles. On utilise exactement le même logiciel que si c'était une compétition internationale ou une compétition régionale. Donc c'est le même matériel, le même logiciel. Donc comme les grands. On est petit, mais on fait comme les grands en fait. La station et le club du Barrioz ont été créés en 1974 par une poignée de passionnés. Depuis, la famille s'est agrandie et ils sont une centaine à venir donner un coup de main pour faire vivre ce lieu. Mes enfants ont appris à faire du ski ici, maintenant mes petits-enfants ont appris. Et puis c'est vrai que c'est presque de père et de mère en fils ou en fils. C'est presque trois générations qui se succèdent là en 40 ans quoi. Pas besoin d'attendre aux remontées mécaniques. Il n'y a que deux pistes, mais du noir au vert, il y en a pour tous les niveaux. L'objectif, c'est de se débrouiller à ski dès le plus jeune âge. Attends, retourne, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est un plaisir, et puis c'est le plaisir d'avoir les enfants qui apprennent à skier. Si on n'avait pas ça, il y a très peu d'enfants du canton qui apprendraient à skier, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans une station. Comptez 6 euros pour un forfait journalier adulte le week-end. Mais dès demain, priorité aux apprentis skieurs, la compétition laissera la place aux stages de vacances.